Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous montre ici, c'est mon sol bail. Donc ici, on a l'iPhone 11 Pro Max qui est de 64 Go, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est les informations de mon téléphone. Donc c'est le sol bail plus le full GSX info. Donc j'ai toutes les infos ici sur mon sol bail ici. J'ai toutes les infos du téléphone. Donc la première des choses que vous voyez, c'est un iPhone 11. La deuxième des choses, donc c'est pour faire le déblocage officiel que je vous présente cette vidéo. Donc ici, comme vous voyez ici, le téléphone a été enregistré. Donc il nous montre que le téléphone a été enregistré le 2000, donc 2020, deuxième mois, le 13. Comme vous voyez, c'est à 18h04 minutes 28 secondes. Le téléphone a été enregistré. Ça, c'est la date que le téléphone a été enregistré. Maintenant, si on descend en bas, on va voir le sol tout name. Donc, vendu par. Le téléphone a été vendu par Swisscom. Donc, on va copier. On va essayer de copier tout ça. Hop. On va copier. Quand on va copier celui-là. Maintenant, donc, là, je viens de copier. On va voir en bas ici. Il nous dit que le téléphone. On avait d'abord fait une demande sur ça. Donc une demande qui a été rejetée par Apple, comme on voit ici, le 7e mois, donc le 7e mois de ce mois-ci, vu qu'on est au 8e mois, comme on voit ici, donc il était d'abord rejeté, donc l'appareil a été d'abord rejeté, donc il y a une personne qui a essayé de faire une opération, donc la soumission sur Apple et Apple a rejeté, donc moi aussi, je tente ma chance, et c'est un peu ça. Maintenant, moi, quand je viens de copier, bon, je viens déjà de copier, on va maintenant aller sur notre pactage. C'est notre pactage ici, comme vous voyez. Là, je suis dans mon pactage. Comme vous voyez, pactage déblocage officiel. Je suis dans mon pactage, je rentre sur le déblocage. Donc, les reçus de 2018 à 2023. Dès que je rentre ici, on va taper maintenant, on va coller ici le nom qu'on vient de coller. Normalement, on va coller le nom qu'on va copier là-bas sur le nom de la boutique donc qui a été acheté notre iPhone. Comme vous voyez ici, j'avais déjà recherché sur ça. Comme vous voyez, c'est Swisscom. Voilà. On va encore dupliquer juste pour vous montrer comment ça se passe avec le pactage des reçus des iPhones. D'ailleurs, si tu veux acheter ton pactage, mon numéro est dans la description de cette vidéo. Ou bien tu peux intégrer le groupe WhatsApp et aussi dans la description de cette vidéo si tu veux avoir plus, savoir plus sur les déblocages officiels des iPhones, donc de tous vos appareils Apple. Donc ici, comme vous voyez ici, ça c'est le reçu. Maintenant, il y a un petit souci qui m'était venu. Donc si on vient sur la partie, si je double-clique, je juste double-clique sur, comme vous voyez ici, c'est la même, hein, c'est la même document, Swisscom 12. Donc sur le pactage, il y a notre reçu à l'intérieur. Maintenant ici sur notre reçu, comme vous voyez, il est en Suisse. Donc c'est pas du tout en anglais, hein, c'est en Suisse. Toutes les informations que vous allez trouver ici, comme ici, il nous dit que toutes les informations comme vous voyez ici. Donc là, je viens déjà de modifier, hein, avec le reçu, avec mon propre téléphone. Comme vous voyez ici, ça c'est les informations, comme vous voyez. Ça, c'est des informations sur eux-mêmes qui sont là. Donc, c'est les mêmes informations qui est déjà sur mon reçu. Donc, j'ai déjà modifié ça. Maintenant, avant de modifier ça, vu que je suis en Suisse, j'ai d'abord traduit cette fichier PDF. J'ai traduit ça en français pour savoir en quoi je me lance. Et donc, si on vient ici, comme vous voyez ici, sur le deuxième fichier. Donc, comme vous voyez ici. Ici, on nous donne toutes les informations qu'on vient de voir en Suisse, en français. Donc, il nous dit la description de l'article iPhone ici. Il nous montre tous les derniers. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez bien voir. Ici, c'est le numéro de l'article. Tout ça là, vous allez le trouver en modifiant le reçu. Donc, tout ça là, toutes les vidéos que vous allez trouver pour sur comment modifier le reçu sont dans le package. Donc si vous voulez acheter le package, n'oubliez pas de me contacter sur mon WhatsApp qui est dans la description. Bien, je vais laisser ça sur la vidéo là. N'oubliez pas de me contacter si vous voulez acheter votre package. Dans le package, vous trouverez plein de reçus. Je vais essayer un peu de faire l'arrière. Un arrière aussi, vous allez voir. Vous allez trouver plein de reçus à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer ça après. Si on veut exemple sur
ici. On va essayer de, je vais vous montrer un peu avant de faire la soumission, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, on va prendre notre SN, on va prendre notre SN là. Donc là, je suis sur la page sur comment faire la soumission chez Apple. Si votre téléphone est bloqué, donc vous avez la possibilité de faire la soumission chez Apple lui-même. Après avoir fait tout ce qu'on vous dit dans le partage. Voilà, ici, je vais coller. Et je vais prendre l'adresse mail, un nouveau adresse mail. Je vais copier mon adresse mail. Je vais le mettre ici. Voilà, je vais essayer de le coller ici. Et je vais écrire le caractère qu'on vient de me demander. 6 R 9 S. Oh, je vais écrire ça en petit caractère, excusez. R 9 S. Voilà. Là maintenant, je crois un petit souci. Max, pata, limite. On va essayer de réactualiser ça. Voilà. On va maintenant mettre ce qu'il nous a écrit ici. R 8 9. Et puis on va appuyer sur continuer. Voilà. Il nous amène, il dit qu'il vient de nous envoyer les informations sur notre adresse mail. Là, on va actualiser. Voilà. Donc voici l'adresse mail qu'il vient d'envoyer. Voilà, on va entrer sur le lien qui nous envoie sur que Apple nous a envoyé. On va maintenant faire la soumission. On va bien vérifier. Waouh, la connexion, la merde. Je sais pas, c'est un peu. Avec le Wi-Fi là, c'est un peu bizarre chez eux, ces jours-ci. Donc, ici, il va nous demander si les informations, si c'est bien notre iPhone 11 Pro Max, vu qu'on vient de mettre notre SN. Comme vous voyez. Donc, toutes les informations ici. Donc, ici, j'ai fait le sold by. M'a donné le nom de la boutique du téléphone qu'on voyait ici acheté, donc vendu par Sweetcom. Avec le nom de la boutique là, c'est d'où j'ai eu l'occasion de le vérifier avec mon package. Avec mon package, je vais plutôt faire un arrière pour repartir dans mon package. Voilà, je vais faire un arrière pour repartir dans mon package. Encore un arrière. Voilà. Comme vous voyez, si je reviens ici, si je entre ici, vous allez voir plusieurs pays à l'intérieur. Donc, Indonésie, Arabe, Canada, Chine, France, Germanie. Comme vous voyez, il y a plusieurs pays à l'intérieur. Donc ici, vous allez trouver toutes les informations que vous voulez. Donc, si vous voulez acheter votre package, n'oubliez pas de me contacter. On va plutôt gérer ça ensemble. Donc, si on vient sur notre page ici, la connexion est un peu longue. Donc, c'était juste ça le but de la vidéo. Sinon, je voulais vous montrer un pas sur les informations qu'on voulait prendre sur qui est là. Donc, le nom de la boutique, l'adresse de la boutique et tout. Mais je voulais pas vous montrer comment faire la soumission. Bien sûr que je vais faire une vidéo bien après. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification, c'est très important. Dans les vidéos qui suivent, je vais vous montrer comment faire la soumission sur Apple si vous avez votre reçu. Donc, si vous avez votre téléphone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation et que vous avez oublié votre identifiant Apple, vous pouvez faire la soumission de débloquer votre téléphone. Donc, vous allez nous montrer les adresses. Vous allez nous montrer. Donc, il va vous demander l'adresse du magasin, le nom du magasin qui a été acheté votre téléphone. Maintenant, l'adresse que Apple va vous demander, c'est pas l'adresse facture. Donc le facture que vous avez acheté à la boutique de votre continent là-bas. Donc c'est le reçu qu'il demande là, c'est le premier propriétaire qui a acheté le téléphone. C'est un magasin Apple dispose les téléphones. C'est un peu ça. Donc c'est par ça que vous allez avoir toutes ces informations là. Donc c'est un peu ça. Avant, j'ai fait une vidéo sur comment faire le déverrouillage activation Apple, mais je vais vous le laisser dans la fin de cette vidéo là. Donc cliquez sur cette vidéo là. On se retrouve pour une autre vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, c'est important. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Et on se retrouve dans le groupe WhatsApp. Contactez-moi sur mon WhatsApp, c'est très important. Donc je vous dis à plus tard.